Salutations, ladies and gentlemen. On se retrouve pour un jour, un épisode, toujours sans dormir, toujours à la chasse au progrès. Et on va être efficace tout de suite. On va commencer par faire plein de choses que vous m'avez signalées que j'ai oubliées. Comme ça, par exemple. Un bouclier. Bah oui, non mais voilà, un progrès facile. J'ai pas de bouclier depuis des lustres. Donc, calmons-nous un petit peu. Prenons des boucliers. J'ai fait aussi un peu de déco ici. J'ai réarrangé un petit peu tout ça pour que ce soit un petit peu plus viable. Bon, on est loin de ce que ça devra être à terme. Et puis, de toute façon, c'est pas ici qu'on viendra poser nos pénates. Jazz est en train de nous faire un super méga... comment ça s'appelle ? Vaisseau spatial. Le X-985, de mémoire. Que je rebaptiserai sûrement Jazz, vu tout ce qu'il a fait pour y arriver. Donc, un bouclier, ça c'est fait. Il y a autre chose que j'étais en train de me dire. Et ça y est, ça m'est sorti de la tête... que j'aurais pu faire... tiens, bah déjà, je pourrais me faire une table de forge tant que j'ai les matériaux. Voilà, ça fera toujours un progrès de plus. Si, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Je me suis dit que je manquais de flèches. Or, j'ai des plumes. Dans 10 verres, il me semble que j'ai du silex. 1, 2, 3, 4, voilà. Et j'ai pas beaucoup de bâtons. On va aller chercher du bambou. Et on va se faire des flèches. Bah oui. Si ça se trouve, c'est un progrès en plus. Donc, encore un de plus facile. Et puis, avec la ficelle, tout ça, on va essayer de se faire les blocs métiers. Tous les petits blocs métiers qu'il y a à faire. Ce sera, ça te fait. Hop. Tac. Pour ceux qui ne savent pas, hein, le bambou se coupe mieux à l'épée qu'à la hache. Et oui. Oh là, les lianes, qu'est-ce qu'elles ont poussé. Là, je peux faire Tarzan tout autour de mon point d'ancrage d'origine. Tiens. Hop, régulièrement j'essaye de penser à prendre le bambou, la canne à sucre pour faire du papier. Et d'ailleurs, avant de redescendre, on va vite fait... Oh, puis il pleut en plus. On va vite fait aller voir où en sont nos vaches. Alors, je suis un petit peu allé les nourrir hors caméra, histoire d'avancer un petit peu quand même. Et zut, je vois qu'il y a un grand arbre qui a poussé là où j'ai fait ma plantation. Ça va être un peu plus pénible à bûcheronner, c'est pas grave. Alors, on va recommencer, hein, un petit peu de nourriture, poum poum poum, touc touc, bon, on n'a pas besoin de monter comme ça, ça va être là. Et voilà, c'est reparti, la technique imparable. Voilà, et vous voyez qu'il y a quelques vaches qui suffoquent. Ah bah, qu'est-ce que c'est ça? Un progrès de plus, déjà 3 en quelques minutes, faire s'accoupler sans animaux. Bah oui, c'est l'avantage aussi, et je récupère de l'XP en plus. Et bah voilà, on va récupérer ce qui ça, et combien ça me fait? Ça me fait 27 cuirs déjà. Ah, bah je dois pas être mal. Si ça se trouve, je vais peut-être bientôt pouvoir finir mes bibliothèques. Ça y est. Ouais, en général, quand je pose une torche, c'est que ça y est. Donc, on va laisser le blé, que en plus, on m'a offert gracieusement avec le progrès. Donc, tip top. On va les faire laisser se reposer. D'où l'intérêt du distributeur. Voilà, elles sont plus calmes. 28. Ouais, je dois avoir assez de bois. On va tenter. Sinon, on ressortira. Je viens de me rendre compte, en fait, grâce à la pluie, que la savane commence là, mais ici, c'est pas de la savane. Je sais pas ce qu'on est, en fait, en biome. Ça doit être marqué à gauche, normalement. Bah si, savana. Hop. Et là, river. Ah, il y avait un tout petit bout de rivière. Bah c'est cool, ça. C'est cool parce que bah, ce petit bout de rivière, comme je dois découvrir tous les biomes, eh bien, ça m'en fait un plus de fait. Et je vois un cochon ou pas, là-bas? Et avec la molette, on m'a signalé qu'on pouvait zoomer encore plus avec Zoomify. Mais effectivement, c'est même mieux qu'Optifine, Zoomify. Waouh! On a un niveau de zoom. Oh, eh, bonjour, monsieur le cochon. Eh, la punaise. Vous avez vu ça? C'est mieux que la... Ah, c'est un peu cheat, hein, pour le coup. C'est mieux que la longue vue. Que je n'ai pas fait, tiens. Ça aussi, c'est un progrès, je pense. Ah, c'est maintenant que j'ai le réflexe, que j'ai mis une dalle, une plaque de pression, j'ai le réflexe de fermer la porte. Et j'ai toujours pas retrouvé mon chat. Hein. Voilà, super. Alors, déjà, on va faire des bâtons avec le bambou, ping, pour faire plus de flèches. Et paf, 18 flèches, eh, c'est déjà un petit peu mieux contre les creepers et squelettes. Et puis avec le bouclier, on va pouvoir faire un petit progrès aussi facile. Donc ça, on va pour l'instant, je sais pas si ça vaut le coup de les poser. Ça fait de la déco en même temps. Et vous voyez, ça a changé en plus. On peut améliorer l'équipement maintenant. On est en 1.20. Oh, c'est joli en plus avec le petit stand-up là. Armor stand. Par contre, eh ben, il vous faut un modèle de forge. Je crois que j'en ai chopé un, non? Dans... Oui, voilà. Ornement des littoraux. Ouh là. Ingrédients, lingots et cristaux.
Ah, bah tiens, attendez, on va essayer. On va essayer. Après tout, voilà, je suis pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Je pourrais décorer mon plastron. Il faut peut-être des. Alors, des cristaux. J'en ai pas récupéré des cristaux. Bah non, j'ai pas trouvé de géode, je suis bête. Maintenant, bah faut que je cherche une géode. Ah, bah donc je peux pas. Mais voyons un peu ce que ça donne. Donc, ah oui, donc là on met l'armure et là on met un lingot ou un cristal. D'accord. Ok, donc j'ai pas de chance, là il faut un cristal. J'aimerais bien voir quand même ce que ça donne si je mets ma pièce d'armure. Est-ce que j'ai un aperçu? Hop. Hop. Ouais, il me faut le fameux cristal. Bon, bah, on va retourner partir explorer. On va essayer de voir si dans nos grottes, là, on trouve pas une géode. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. On va d'abord continuer nos petits trucs du lundi. Non, j'ai pas assez pour me faire un pantalon de diamant. Hop, bing, voilà. Alors, tant qu'on est là, on était parti pour nos bibliothèques, parce que l'idée, c'est aussi d'enchanter. Tiens, bah, hop, du lingot d'or. Ici, on met à cuire du steak. Pouf, on récupère cela. C'est bien, on est bien, du coup, côté nourriture. On a 27 cuirs. Donc, dans précieux, on récupère notre livre que nous avons, notre papier. On va faire d'autres livres. Plein, plein, plein de livres. Eh, bah, largement. Ah non, ça fera que 5 bibliothèques, ça. Pas largement. Mais on devrait être pas mal déjà là. On devrait être pas mal. Je vais faire 4 bi Ah non, que 4 bibliothèques de plus. Ah oui, parce que j'ai pas assez de bois. Ah, je sentais que le bois, ça allait pas le faire. Hop. Canne salpingienne. On a un peu de matériaux quand même. On n'est plus en tout tout début d'aventure. Donc on avance. Voilà. 5 bibliothèques, c'est ce que j'espérais. Tiens. Tant qu'on y est. Ah non, tiens, je l'ai. Les métaux, je les ai mis ailleurs. Parce que ça aussi, il m'en faut 64 pour un petit progrès. Alors, 5 bibliothèques. On est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Il ne m'en manque plus qu'une. Une. Et je pourrais enchanter level 30. Et j'ai 40 levels. C'est top. Bah, clairement, il va falloir qu'on. De quoi je vais manquer là? Un livre. Il me manque un livre, donc il me manque un cuir. Oh, d'ici la fin de l'épisode, on va retourner voir nos vaches, hein? Et on va se faire ça. Ça devrait le faire. Palabalabalam. Ok, donc ça, c'était la première étape de ce que je voulais faire. Le bouclier, j'oublie pas. Si je fais clic droit là. Ah non, quand je fais clic droit. Ah, si, quand je me le mets comme ça. Ouais, non. Quand on fait clic droit et qu'on l'a dans la main, on se met en mode activation. Protection. Ok. On verra ça plus tard, du coup, quand il fera nuit. Oh bon, ça va pas tarder. J'aimerais faire du progrès. Faire un petit peu de progrès facile. Et puis ben, peut-être aussi des progrès 1.20. Tac, tac, le livre, on va le laisser là pour l'instant. Le cuir, eh bien, on va remettre ça dans animal. Hop, végétal. Animal. Voilà, comme ça, j'ai du cuir d'avance. Ouais, c'est nickel. Hein. On est bien. On est bien dans cette aventure. On n'a vraiment pas de. On a des petites frayeurs, mais on n'a pas de difficultés majeures. Donc on s'en sort plutôt bien. Je pourrais me faire une petite pioche en fer d'avance. Je vois que la mienne est bien abîmée. Essaye d'anticiper. Ah, une petite pelle aussi. Hein. Une petite pelle aussi. Hop. Et on va regarder un peu les progrès justement. Dans minage, je dois avoir voilà, les outils. Casser tous les types de pelles. Oui, ah oui, d'accord, même celle en netherite. Ouais, bah pas tout de suite, hein. Ça, c'est quand on sera riche. Et ça, c'est casser tous les outils et toutes les armes du jeu. Ok, quand on sera riche aussi. Une pile d'or, soit ok. 64 blocs d'or. Ouais, ça, on verra plus tard aussi, les trucs gâchés. Waouh! Ah, c'est un nouveau celui-là. Tuer une chauve-souris pendant que vous êtes sous l'effet d'obscurité ou de cécité. Va falloir préparer le truc. Genre s'enfermer avec une chauve-souris, se mettre l'effet. Et ah bah tiens, la fameuse longue vue. Ah bah c'est ce que je disais. 16h38. J'ai le bouclier. Eh bien, je pense qu'on va aller à la chasse à la géode. On va aller à la chasse à la géode. Donc on va retourner encore un peu explorer. Hop. Tic-tac-tac. Il faut vraiment que je facilite l'accès là aussi au spawner. Il faut qu'on optimise ce spawner pour l'expérience. On descendra peut-être nos tables d'enchantement d'ailleurs. La table d'enchantement, on la descendra peut-être là-bas. Ok, donc là, j'ai exploré. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente d'explorer par là?
Parce que la grotte, elle continue à être grande, mais aussi dangereuse. Et j'ai quand même fait pas mal. Surtout que là, je pense que tout en bas, c'est justement le spawner. Oui, donc l'accès pour le spawner, je pourrais essayer de l'optimiser par ici. Faire un chemin qui descend. Ouais, il va falloir y réfléchir. Ouais, je pense que je vais essayer une nouvelle direction de minage à la hauteur du fer. Hein, c'est ce qu'on avait commencé ici. J'ai pas pris de quoi faire beaucoup de torches. Bon. Par contre, c'est du gravier. Ça me casse les pieds. Hop. Mettre une torche là. Et puis, on va essayer par là. On va essayer par là, voir si on trouve autre chose. Hop, on va économiser notre pelle. Hop. Hop, et c'est reparti pour un petit peu de minage. Objectif, voir si on trouve d'autres cavernes. Ou, en tout cas, moi ce que je voudrais c'est trouver une géode. Et pour ça, ouais, j'espère une autre caverne. Puisque je n'en ai pas trouvé dans la première. D'autres grottes, de façon. Hop, voilà, je m'en doutais. De façon à... qu'est-ce que je cherche mes mots? C'est lundi. C'est lundi, c'est la sortie du week-end. Je cherche mes mots. À diversifier les choses que je trouve. Là, j'ai trouvé la grotte du fer. Hop là, vous voyez, j'avais raison de me faire une autre pioche. Là, je voudrais trouver maintenant les grottes... ah, prout. Alors, c'est comment par là? De l'eau. Ah, mais il y a du fer aussi. Ok. D'accord, il y a moyen de fermer là. Il y a moyen de fermer. Hop. Palapalapalapalapalam. C'est pas pratique, dites-moi, cette eau. Ah bien, on se met en mode nocturne une fois qu'on est sous l'eau. Hop, 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 hop. On fait attention à nos bulles là. Tac, 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 tac. Là, par en dessous. Hop, sur les côtés. On se fait... Ah, bah voilà, je dis de faire attention à mes bulles. Grâce, je suis hardcore, on fait pas ça. On fait pas ça d'aller se noyer. Ah, le nom d'une pipe. Voilà, donc là, j'ai dû pas mal fermer. Avec le gravier, on devrait arriver à enlever les sources d'eau. Quoique ça marche aussi avec des torches, dans l'absolu. Si je mets une torche là, j'enlève une source d'eau. Je pourrais peut-être faire comme ça, gentiment. Hop, on enlève une torche qui me revient en plus. Hop, hop. Ah, et là, sauf que là, ça marche pas parce que il y a deux sources d'eau continue. Et comme il y a deux sources d'eau continue, eh bien, ça fait une source d'eau infinie. Et oui, là, par contre, ça devrait marcher. Voilà. Ah bah tiens, puis un petit fer au passage. C'est vrai qu'on manquait de fer. On n'a pas eu de chance sur le fer, hein. C'était compliqué d'en trouver. Ah bien, allez, c'est reparti. Un bon petit... Oh là là. C'est sur cette aventure, je pense que côté chance fer, je suis pas mal. Je suis pas mal. À chaque fois, je trouve des petits filons d'au moins 6. Donc tout va plutôt bien. Alors, est-ce que j'ai enlevé suffisamment d'eau? Où ça va me recouler sur les pattes? Non, il en manque un petit peu là. Un petit peu là. Hop. Ok. Alors, déjà mettre un bloc là. Et puis on va essayer de s'infiltrer jusqu'ici. Ah, j'ai pas réussi. Voilà, déjà là. Ici, on va essayer la technique de mettre une torche. Voilà. Bon, puisque j'ai mis un bloc là, je vais en mettre un autre là. Et là, une simple torche devrait suffire. Voilà! C'est vrai que j'utilise pas assez cette technique de la torche. Qui, ma foi, pourtant, est bien pratique. Et là, hop, hop! Tiens, bah, y a encore un bout de grotte par là. Merci, Light Overlay. Allez, on continue. On va voir si il y a encore de l'eau par là. Ah bah oui, encore un peu d'eau. Là, ça devrait aller, puisque c'est sur le côté. Impeccable. Bon, un seul petit filon de fer. C'est le signe que ma chance minage se... De toute façon, c'est pas du fer que je veux. Pour le coup, je voudrais maintenant du charbon. Et
une géode parce que j'ai besoin de tester cette nouveauté là de la 1.20. Donc on est en chasse à la caverne. Non, d'une pipe. Pour une fois, pas de caverne. Oula, j'ai pas éclairé du tout là. Pas bien. Bon, je sais que, ah ben, je sais qu'il y en a en dessous. Mais ça doit être les mêmes que... Ah, il y en a encore une autre sur le côté là. Ça va être encore les mêmes que celles que j'ai déjà faites. Donc on va pas se... Ah, du fer. Et moi, si je trouve pas de charbon, je fais la couche fer. Je vais faire le plein en fer. C'est déjà ça. Il n'y a pas un autre petit là? Non, il n'y a pas un autre petit. Allez, pour l'esthétique, on va refermer. Allez, il nous reste 6 heures de jeu. Longueur Minecraft, évidemment. Pour trouver une autre caverne à explorer. Et on retombe sur du gravier. Pop. On récupère ça. On en met une sur le côté. Ah, et bah tenez, là, il y aurait bien une caverne devant. Bon, elle a l'air toute petite. Bon, on va continuer notre... Ah non, pas si petite. Pas si petite. On va voir si je tombe dedans. Hein. L'objectif, c'est un peu ça. Bah, pour l'instant, pour l'impression que je tombe dedans. Je m'en écarte plutôt. Hop. Et ben alors, je vais faire une... Ça m'arrive hein, de comme ça, je sais pas vous, dans vos parties, mais moi ça m'arrive de faire des longueurs de 100 ou 200 blocs et de rien trouver. Mais alors rien. Ni caverne, ni rien du tout. Que chi. Hop. Allez, on change d'outil. Tiens, d'ailleurs, faut que je mange. Trouver un moment en situation peut-être de croiser du mob, donc on fait attention. Hop, du granit. Alors Jazz est en train de travailler sur le vaisseau. Ah, du charbon. Et il faudra plus de 40 000 blocs. Donc je pense que à un certain stade de l'aventure, parce que là je veux faire les progrès surtout tout seul pour votre plaisir et le mien. Eh bien, les Holch Addict, je déplacerai cette partie que j'ai en solo, je déplacerai cette partie sur mon serveur que j'ai avec les Holch Addict, et je les inviterai à me rejoindre pour m'aider au farm des ressources et faire ensemble ce fameux vaisseau, parce que il le vaut bien, ce vaisseau. Ah, j'ai entendu du zombie. Comme si c'était laissé tomber. C'est marrant, comme s'il me détectait à travers les murs, les cocos, là. Ouais, puis de toute façon, vous entendez, et devant, je vois qu'il y a du rouge, donc il y a une grotte. Ça y est, on... Ah mince, c'est encore une grotte inondée. Ah, non, pas tout à fait inondée. Ok, alors, on enlève F7, et on commence à se préparer au danger. Hop. Là-bas, ok. Du zombie, et de ce côté, on sait pas. Bon. Au moins, on a trouvé une grotte. On va pouvoir finir cet épisode en explorant un petit peu. J'ai pas beaucoup de torches, donc je vais en faire tout de suite. Pouf. Voilà. Il y a un peu de lichen ici, donc... Ah, du fer, c'est bien ça. Ok. Prudence, hein, toujours. Encore du fer. Nickel. Nickel, nickel. Ok. De ce côté-là, c'est à peu près sécurisé côté lumière. On viendra farmer le fer tranquillou. On va aller d'abord se faire nos amis les zombies. Est-ce que ça va compter si c'est le zombie qui me fait... Ah oui, alors par contre, l'eau va m'emmener vers eux. Ah, puis l'eau m'emmène où hein, si je monte. Allez, monte. Hé, hey, où est-ce qu'elle m'emmène? Où est-ce qu'elle m'emmène cette eau? Ouhou, dans un autre réseau de grottes, au-dessus. Intéressant, ma foi. Oh, un gros réseau de grottes. Là, on a des probabilités de... Attendez, c'est quoi, ça, d'ailleurs? C'est de la durite, ou... Voilà, m'a fait peur, le zombie. Le zoom m'a fait peur. C'est de la durite. Ok. Bon, on va redescendre après. Donc
Donc là, on sait qu'on a accès d'où on vient. Par là, il y a quoi? Je suis pas assez profond, je pense. Il y a beaucoup de fer, par contre, ça c'est cool. Oh oh! Oh! Que de grottes à explorer là encore! Je pense qu'on va encore bien s'amuser dans les grottes. On va bien s'amuser dans les grottes par là. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ouais, je dois pas être assez profond pour une géode, par contre, je pense. Enfin, je sais pas s'il y a une hauteur. Encore un zombie villageois, mais c'est pas possible, hein. Je vais en trouver combien des zombies villageois? Une petite araignée aussi. Tout le monde m'en veut là. Oh, un petit squelette. J'espérais faire le progrès avec le bouclier, donc ça tombe bien. Hop. Voilà. On va prendre le bouclier dans la main tout de suite. J'aimerais que le squelette me tire dessus. Oh, il y a du creep aussi, attention. Hop, hop, hop. Ils sont tous morts. Ouais, parce que le bouclier peut encaisser des explosions, mais des fois, ça suffit pas pour survivre. Donc j'ai eu un petit peu peur. Mais j'ai fait l'explosion nucléaire, du coup. Un progrès de plus. Je vous avoue que je le tentais un petit peu à l'arrache, là. Ça vous surprend que je tente des choses à l'arrache? Je pense pas, non. Ok. Waouh! C'est encore la grande grotte, ça? Je me retrouve au-dessus et il est reparti par là-bas, l'animal. L'animal squelettonne. Il est reparti par là-bas. J'aimerais bien qu'il me tire dessus, mais pas en mourir. Si c'était possible. Je suis en train de déborder encore. Ah, ça y est, il m'a vu. Il m'a vu. Ah, il m'a touché. Et voilà! Hé hé hé! Youp! Pouf! 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 J'aurais peut-être dû mettre mon bouclier en main droite, ça aurait été plus efficace. Et ça y est, un progrès de plus, on est à combien là? 208! Voilà, les petits progrès faciles. Les petits progrès tranquillou. Hop! Je vais essayer de sécuriser un petit peu par là quand même. J'ai trouvé encore, je sais pas si vous les avez vus au passage, hein, mais il y avait plein de fer sur le chemin. Donc je pense que je vais revenir encore avec plein de fer jusqu'à la base temporaire. Hop, et du charbon. Allez, on va terminer sur le charbon. Comme ça, je suis dans un coin éclairé, au calme. Hop. Oh là là, et puis un bon filon de charbon. Nickel. C'est plus un filon d'ailleurs, c'est une mine. C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Non, c'est plus ça, je sais plus. Et quelle est la ref? Qui a la ref? Hop. Toujours amusant de chercher. Oh là là, non, mais ma pioche en fer est déjà bien abîmée. Les références. Au travail, on est avec des gens d'âge différents. Et c'est très rigolo de voir si tout le monde a les refs. Je viens de découvrir qu'un de mes camarades du travail, plus jeune, bien plus jeune que moi, ne connaît pas le dîner de con. Mais qui ne connaît pas le dîner de con? Il faut connaître le dîner de con. Si vous ne l'avez pas vu, regardez le dîner de con. C'est un film cultissime. Et un moment de rigolade garanti. Sinon, vous avez un humour que je ne comprends pas ou qui ne correspond pas à la majorité des gens. Parce que franchement, c'est top du top du top. Allez, sur ces entrefaites de cinématographie sériephile, eh bien, il est déjà 9h57, bientôt 10h. Pouh, j'ai carrément débordé. Eh bien, on va se dire à demain, si vous le voulez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.